Salut à tous, c'est Nexos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder en compagnie de Zeta, comme toujours, hein, le fidèle Zeta. Salut. Salut. Eh ouais, c'est moi. Je suis à mon poste, frère. Frère. Attends, et donc, moi, ça accélère pas. Hein, ouais, moi j'ai une accélération au décollage. Donc vous voyez que j'ai l'XP50, hein, je vous l'avais annoncé. Ça fait beaucoup de vidéos américaines sur ma chaîne en ce moment. M18, T95, XP50. Mais bon, avec le moins 75%, avec le moins 75% que je me suis tapé sur l'XP50 sur la vidéo T95, j'étais obligé de me l'acheter. Pour 438 ouais. gold, c'est une dinguerie cet avion, il est trop bien. Il est moche peut-être, mais il est trop bien. Par contre, il monte bien le mien. Ah, et donc vous êtes avec le petit F6F standard, voilà, on va dire. Oui, bon, moi je fais. Ouais, on va dire, voilà, je parle du F6F. Sans problème, le F6F. Juste. Tout le monde connaît. La famille. Si, si. Non, non. Et donc ce bimoteur qui est censé être un heavy fighter, mais bon, vu comment il va vite, comment il grimpe, comment il tourne bien, je me demande où est la classification heavy fighter. Tout ça parce qu'il a deux moteurs, mais cet avion est une pure tuerie. Bref, de quoi qu'est-ce qu'on pourrait parler? Bah, de quoi qu'est-ce qu'on pourrait parler? Je sais pas moi. Je sais pas moi. Ah ouais, genre j'ai fait manifestation moi à mon lycée. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Genre, enfin, j'ai fait manifestation. Ah, pas à mon lycée, au lycée d'à côté, parce qu'en fait, t'as vu, alors ils se sont fait douiller. On leur a retiré 5 minutes de récré. Y a un prof, le prof, juste avant les débuts, tu sais, juste avant les débuts de l'année, il a démissionné. Donc j'ai des potes, ils ont pas de prof. ça m'a bien fait rire quand même, hein. Genre c'est plein de trucs, plein de petits trucs. Ah oui, les manuels, ils l'auront toujours pas donné. Ouais, c'est quoi ce lycée de Zeb? Pourtant c'était un très très bon lycée, sauf que comme le bah, ils ont changé de direction. Et nous en fait on vient de se rendre compte qu'en fait bah, on se plaint pas, mais on s'est fait douiller autant qu'eux. Et genre eux ils se sont fait douiller tout en une seule fois, tu vois, en un début d'année. Nous, ça fait 4 ans qu'ils nous douillent un truc par un, tu vois, donc en fait, on est trop cons, on s'en rend pas compte. Ils viennent de nous douiller les récrés, on a plus de 10 minutes au lieu de 15. Ça fait mal. Et genre, du coup, on a trop bien rigolé. Bande de bisous. Ouais, mais du coup, il y a France 3 et tout qui est venu, tu sais quoi. Ah oui. Ouais. Mais genre, nous, on était morts de rire, t'avais les flics qui s'étaient armés jusqu'aux dents et tout, on a eu peur à ça, par contre, hein. Il y a eu des pétards, des trucs comme ça. Il y a eu des. Après, il y a eu que des musiques paillardes, des trucs comme ça, donc c'est rigolo, t'as vu. Voilà quoi. Certes, certes. Ouais, c'est bien, c'est sympa, c'est plus de l'humour. Je verrai si je peux mettre une ou deux photos, vu que j'ai filmé, j'ai tout fait, t'as vu. Bon, mon sinon. Est trop fort. Pour moi, pour. Oh, regarde. Pour. De quoi, regarde. Oh, regarde un H111. Pour moi, pour parler de ma vie, bah j'ai eu mon permis, enfin. Ouais, champomie. Champomie, la tournée de Champomie. Et, ouais. Et voilà, j'ai eu mon permis, ouais, voilà. Merci, merci. C'est un bon soulagement parce que putain, ça me coûtait des sous. Eh ouais, bah c'est sûr que quand on est mauvais comme toi. Hein, ouais, très mauvais. Ouais. Ils me l'ont donné, ils en avaient marre de me voir. C'est ça. Et tiens, dégage, ouais. Prends-le, dégage. Voilà, bah, je crois qu'ils s'en foutent. Enfin, moi pour l'instant, je passe mon code, c'est quoi. Ouais, le code, moi j'y suis allé à la Zeb et je l'ai pris, je l'ai eu en. Ouais, si j'ai commencé en août 2014. Non, mi-juillet 2014. Et je l'ai eu en novembre. Tu vois, j'y allais. Il y a des fois 2-3 semaines de suite, j'y allais pas quoi. Ah ouais, non, moi j'y vais tout le temps maintenant. Ah, j'y allais à la Zeb au code. Bah ça, je marque, hein. Bravo. Ouais, mais je l'ai eu. Du RSK premier coup. FR. Pour le nom, lui. Je l'ai eu et du premier coup, donc. Ouais, bon, pas comme le permis, mais. Faut que j'aille le passer, moi, là. Maintenant que je fais que 40, je fais 40 juste sur 40. Ah ouais, tu fais zéro faute. Ah ouais, j'arrive. C'est deux fois d'affilée que j'ai fait zéro faute et après j'ai fait une troisième bon, fois. Bon, allez, on est gentil, mais on rentre dans le lard maintenant. Les 5 minutes habituelles de discussion sont passées. C'est fini. Maintenant, on va casser des babines. Casser du PD. On va casser du PD. Genre moi je suis derrière un RSK, je vais essayer de l'éclater. Voilà, hop, ça, on n'en parle plus. Suivant. Dis-moi, je tiens à quelle vitesse au fait le FCF, il encaisse quand même niveau speed. Je crois que j'encaisse même mieux que lui, oh. Je viens de te découper un ME410.
Je suis arrivé en mode furtif ninja. Oh, un Stuka! Oh, il me douille en virage. Oh, l'enfoiré. Ah, c'est un E3. Je vais me faire douiller par un E3, mon gars. Ah, mais le E3 il tourne. Hein. Oh, bah. Aïe, il m'a fait mal. Non, ça va. En fait, tu veux de l'aide? Non, c'est bon. T'inquiète, je gère ma poule. En fait, je veux bien peut-être de l'aide. Ouais, je suis là. J'ai vu que t'étais un peu dans l'Oukaka. Ah non, mais c'est bon, il me tient pas en vitesse, mais je suis pas ridé, t'as vu. Par contre, il y a un H111. Hein? Non, tu remontes. Non, tu remontes. Voilà, tu fais ça. Oh non, je l'ai juste critique. Oh, les bolo balls que j'ai là. Je l'ai pas tué, le gars, je l'ai juste critique, donc le J. Ok, bah toi t'as plus d'élévateur, parfait. Non, on sent que ça fait une semaine, tu sais, que j'ai pas joué, tu sais. Non, il m'a mis en feu. Oh, mais mec, je lui ai mis combien de balles à lui avant qu'il crève? Non, je me suis fait mettre en feu par un H111. Oh, ça fait mal. Oh, putain, non. Oh, cette honte. Oh, t'as les nerfs. Oh, t'as les tripes, t'as les glandes. Mais j'en ai marre, ça fait deux vidéos, là, déjà. Oui. Aïe, 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 aïe. Ça fait deux vidéos déjà, la dernière fois en Kai 84, je me fais limite wench, je me prends une bastos de 12-7, elle me met en feu. Et là la H111, putain c'est de la 762. Pitié, arrêtez. Gaijin, nerf Nexos, ça a été fait hein, je l'annonce. Ouais, je sais pas. Regarde ça, mais c'est quoi cette tourelle de 792 Regarde le P40 comment il a pris la dose. Oh Zeta, 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 oh, mais c'est un B109B. Là, E3, ah non, c'est un E3. Allez. Ouais. Oh, genre, toutes les balles que j'ai. Oh, le caca. On te regarde, Zeta, là. Hein. La France te regarde. Oui, bah, t'as vu toutes les balles que je lui mets, tu vas me dire, il y en a combien qui passent dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la visée. Non, non, toutes les balles que je lui mets, elles touchent toutes les balles, mais j'en ai plein qui touchent, mais à chaque fois, ça le chatouille, tu sais, ça doit ricocher sur ça. Donc, ils sont plus que deux, donc. Allez. On finit le travail, s'il vous plaît, monsieur Zeta 135. Ouais, t'inquiète, je gère la fougère. C'est vrai que c'est un bel avion aussi, ça, le F6F. Moi, je kiffe. Moi, j'aime bien, il a de la gueule. Il a de la goule. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard, pourquoi je fais ça, moi? Oh, je le touche. C'est beau. Ah, par contre, ça, c'est moins beau, là. Eh, redescends, voilà. Par contre, il tient étonnamment bien en basse vitesse. Hein. Ouais, ouais, il tient bien. Hein. Pourtant, c'est un gros sac. Hein. Ouais. Et je me demande s'il y avait pas des F6F3. Enfin, ou si le F6F5, je sais pas lequel. Je crois qu'il y en avait un qui était équipé de deux canons de 20 mm. Je suis pas sûr. Je le veux. Je suis pas sûr. Parce que ça, c'était dans mon jeu quand j'étais tout gamin, la Heroes of the Pacific. Où la dernière version, quand tu le modifiais à fond, tu avais des canons de 20 mm. Mais. Je suis pas sûr ouais. Que. Par contre, c'est le moteur qui chauffe là. Il est dans quel état? Le moteur va bien. Je suis sur le téléphone en même temps pour regarder. Wiki. Alors. Vas-y. Dis-nous tout. Armement. Moi, j'essaie de le suivre. RSKFR. Ah, mais c'est un français, je crois. Non. Eh bien, oui, effectivement. T'avais le F6F3 et le F6F5. Ils étaient équipés de 6 mitrailleuses Browning M2 de 12,7. Le F6F5N, équipé de 2 canons de 20 mm et de 4 mitrailleuses de 12,7. Je veux. Ouais, moi aussi. Oh, je veux le F6F5N. Déjà, je veux le F6F5 de base. Ouais. Déjà, le F6F5, c'est un F6F3 qui va plus vite. Donc, c'est déjà plus intéressant. Et ouais. Le F6F5N, mon dieu, je veux avec les 2 canons de 20 mm. Gaijin, please give me that. Bon, les états là, fini. Bah, il avance. Mais moi, je joue plus. Et genre, tu le rattrapes pas avec un L4. Attends, pas encore. Faut que je prenne de la vitesse d'abord. Putain, Zeta. Là, je vais lui mettre une douille en vitesse là. Oh, mais le F6F5N, mais give me that, please, Gaijin, quoi. Bah, yeah, je le rattrape tranquillou. C'est ça. Ça va, on est tous 8. Ah, pardon. Oh putain, le gros porc.
Mais genre, le mec, ça, je lui ai mis 15 000 balles à celui-là, tu vas me dire qu'il tient toujours bien. Bah oui, parce qu'il t'a regardé, il a fait bitch. On va regarder les autres avions. Un Spitfire Mark 2A. Bitch, but I have my money. Un Typhoon Mark 1A. Un Beaufighter Mark 6. Un P-47D25. Et ah, un magnifique tourne. F6 F3 de la beauté de l'amour. Et il tourne, ça y est, il commence à faire le con. Mais franchement, le F6 F5 avec les deux canons de 20, ça doit être tellement une boucherie. Oh, en vrai, je sais pas où il est. Ça y est, je l'ai perdu, il est dans le nuage. He is in the cloud. Oh non, il s'est caché dans un nuage. Il joue pas trop mal le petit machin RSKFR là. Il ouais, a pas de kill mais. Je le vois plus. Oh level 19. Il est où? L'enfoiré. À mon avis, il est redescendu hein. Oh, ça y est, je l'ai détecté. Il est où? Voilà. Il a mon altitude. Ils m'ont dit supprimez-moi, tu sais. Supprimez-moi tout ça. Le mec il vient en face à face sur moi, je le prends pas. Hein. Bon, ça, je le vois pas. Ah ouais, si, il est là. Oh joli! Pop pop! Hype! Hype! Il est mort ou, par contre, ou juste en feu? Il est en feu, en fleu, et j'ai le moteur qui est en train de me dire stop là. Le moteur il est carrément mort. Oh non, il est plus en feu! Ouais, mais tu le vois grâce à la fumée là. T'es derrière lui, allez, 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 finis-le! Attends, il sait plus comment il vole là, il me fait peur là. Ah voilà! Mon moteur, non? Tu l'as eu? Je vais arracher une aile sur une petite salve. Et là, d'un coup, bon, allez, on enchaîne là parce qu'on perd Attends, du temps. Que... Bon bah allez, ellipse. Ah, regardez Zetas, te soumis, il décolle du porte-avions, bouh. Arrête! Position fétale tout de suite, dépêche-toi. En attendant, je vais prendre une méchante vitesse hein, pour un décollage. Bien élancé au décollage, moi au moins. Même... Et au moins, je pourrais me poser, moi. Même... Oh, le mec, il va venir exprès pour me casser les couilles. 600 km/h. Il va me ramener, Tu as décollé du Lexington, comment tu te sens? Comme un F6F quoi. Mip mip. C'est bâtard. Oh un Firefly. Firefly. Allez remonte, tais-toi et monte. Oh le mec comment il donne des ordres. C'est toi qui devrais grimper avec tes grosses fesses. Oh, gros boule. Gros boule. Gros boule. Eh bon boule là, pardon. Mais c'est pas très gentil tout ça. Oh, hein. Bon. Alors, voilà. Salopard. Sale rousse. What? Hein? Tu m'as insulté là. Tu m'as insulté de sale russe. Je vais être obligé de t'abattre, désolé. Non, j'ai dit rousse. Ouais, c'est encore pire. Bah... J'allais dire que t'avais pas d'âme, mais après. Enculé. T'as été trop gentil. Ah, pardon. Connard. Donc, on décompte les Japonais, hein, il faut le dire, au passage. Ah bon? Je savais pas. Bon, en général, tu sais très bien que des Américains. Quand c'est sur de au-dessus de l'eau en général voilà quoi. Les abonnés, si vous êtes intelligent, expliquez-lui. Oh, moi je dis ça clash. Voilà, c'était le moment calme. Je m'en fous de ce que tu dis. Ouais, du coup, bon. Oh, je me suis regardé les gardiens de la galaxie. Il y a de la balle, hein. Ah, putain, il m'a trop fait pleurer de rire, ce machin. Pour moi, qui suis capable de rigoler pour pas grand-chose, là, je peux te dire que j'étais mort de rire. Hein. Ah, mais il est trop bien. Oh. Ah, moi, celui que je me suis regardé il y a pas longtemps... Bon, d'accord, c'était en craqué.
Mais bon. Aïe. C'était Mad Max Fury Road, enfin en craqué, mais en craqué version Blu-ray, tu vois, le film il pesait 14 hein. gigas quoi. Non mais t'inquiète pas, moi aussi. Oh là là, Mad Max Fury Road, une tuerie, il est trop bien. Ouais. Tu te prends des images dans la gueule, c'est waouh, c'est une vraie claque. Vraiment, ouais, il est monstrueux. Ouais, franchement, ouais, j'ai bien aimé, moi. Et j'ai vu, ils ont fait un jeu dessus. Ouais, ouais, bah oui, il est magnifique le jeu. Hein. Il a l'air sympa, ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est des bagnoles dedans. C'est pas. T'as un peu de combat. T'as du combat, c'est normal, quoi. Ouais. Mais il est. En gros, c'est du style. C'est fait par Warner Bros. Donc, c'est dans le même style de jeu que la série des Batman. Batman Arkham, machin. Ou les. Ou le. L'ombre du Mordor. Je sais pas comment il est Batman, mais. Le dernier Batman, apparemment, c'est une tuerie. Ouais. J'ai vu. Enfin, moi, j'ai regardé des playthroughs. Hein, je les joue pas, les Batman. Je sais pas. Pourtant, c'est un de mes super-héros préférés, hein. Et qui est des jeux dessus, ouais. Mais je les joue pas, je regarde les playthroughs, ça m'éclate. J'aime pas les trucs de Marvel. Ça dépend lesquels de Marvel. Deadpool. Ouais, Deadpool, c'est. Putain, ce film, je l'attends aussi. Mais ouais, Mad Max, en gros, il se fait un peu dans le style Seigneur des Anneaux, l'ombre du Mordor. En gros, c'est à peu près le même style de jeu. C'est une map. Map ouverte, comme ça. Bah, de toute façon, les jeux Warner Bros, en général, ils sont comme ça. Hein. Ouais, voilà, mais le Mad Max il a l'air vachement sympa quand même. Bon, où sont ces bridés de japonais? Arrête, on va dire que t'es raciste. Bah non, ils sont bridés, c'est la vie. Oh, ils sont en face de moi. Déjà qu'ils aiment les nems, alors bon. Bah ouais, c'est bon les nems, moi aussi j'aime les nems et pourtant je suis pas bridé. Hein. Ah, moi ce que je préfère c'est les nouilles. Oh putain. C'est quoi un bridé qui a une super bonne vision? Je sais pas. Bah, un chinois de bridé. C'est pas drôle. Oui. Non. 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 C'est pas drôle du tout. Un qui 43, fais gaffe, c'est celui avec les 20 mm. ODJ2M. Tu veux que je te dise, en fait, c'est parce que celle-là, je l'ai sortie au gars de ma classe, au bridé de ma classe, au vietnamien. Ouais, bah tu l'appelles le chinois et puis voilà. Non, je l'appelle le. Non, on l'appelle le. Oh, mine, comment tu vas? Non, mais même s'il est vietnamien, tu l'appelles le chinois. Ça les fait rager, c'est marrant. Ouais, j'avais même dit, je suis pas chinois. Oui, on sait. C'est justement ça qui est drôle. Enculé. Oh merde, il faut que de m'emmerder là. Ils font que de m'embêter, maman. C'est pas des zombies gentils. On combat dans les nuages, donc on se voit pas, t'as vu? Bien, t'as vu. Voilà. Brr. Hop là. J'ai besoin de toi après par contre, donc tu penseras à revenir. Ah non, j'ai la flemme. Parce que je tiendrai pas le choc contre quoi je vais tomber. Hein. À 6M2, je peux pas. T'es où? Derrière. Ah ouais. Genre ils essaient de me poursuivre, t'as vu, donc je fais une montée. Mais putain, et le Ki 43 que je t'ai dit, il est en haute altitude. Par contre, celui que j'ai critique de J2M, j'aimerais bien qu'il décède. Mais ouais, mais pour. Vas-y, suis-moi, Ki 43. Allez, on y va. Danse avec. Pique avec moi, Ki 43. Bah tiens, je vais venir t'aider, tiens. Attends, j'arrive. Je peux le faire danser un peu, moi aussi. Allez, ma salope, danse. Allez, viens, mon gars, suis-moi. 700 km/h, t'es sûr que tu veux suivre, hein. Oh, on a 6M2, t'es sûr que tu veux suivre aussi. Allez, bip bip. Oh mais c'est bon ça ce que tu m'amènes là. Ce que je t'emmène là. Non mais toi tu montes pas comme ça là. T'es pas autorisé. Par contre j'avais méchamment critiqué un J2M et il a pas l'air d'avoir voulu décéder. Canet. Avant que tu reviennes par contre, hein, je peux pas le tenir. Je peux pas faire de turn fight avec un K43. Hein. Donc j'ai un peu les nerfs, t'as vu ça commence à me gonfler ça. Je peux pas faire de face à face contre ces machins là, ça m'emmerde un peu quoi. C'est vraiment que du boom and zoom avec mon avion là. Attends, vas-y, j'arrive là. Oh, genre. Ok, je l'ai eu. Ok, bah pas moi. Oh putain, mais ils sont derrière moi, les salauds. Oui. Non mais oui, je sais qu'ils sont derrière toi. Je vais essayer de venir derrière ton kick. Ah, je suis derrière ton K43. Ouais. Oh, il est critique, il a mis en moi. Ok, je l'ai mis en feu.
Génial. Eh, franchement, là, on fait le Tu duo. grésilles, tu grésilles, tu grésilles. Bien joué! Il a arrêté de prendre feu. Laisse-le moi, il est à moi, salopard. Zeta, oh, le J2M aussi, c'est celui que j'ai critique. Putain, là, il y a deux avions qui sont à moi. Merde! C'est bon là? Ouais, Pour c'est mon bon, mic? nickel. Putain, les deux qui sont là, c'est deux que j'ai foutu en feu, que j'ai critique. Ok, tu me laisses lequel? Je sais pas. D'accord, ça va, je prends le J2. Non, je peux pas. Non, pas sérieux ça? Ouf. Allez, je t'en fais un appât, tu. Ah mais là je le finis à la 12-7 donc c'est compliqué. Allez meurs. Et deux. Voilà. Deux. J'ai fait l'appât, hein, Que deux, trois? tu. J'étais persuadé d'être 4 kills là tu vois. Oh bâtard. Non, 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 non. Eh, hey, oh, t'es gentil, mais. Non mais putain! Ah t'as un Ki-43 qui arrive si tu veux, je la pâte. Non mais tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ah ouais mais ouais mais. Le Ki-43 il est Laisse-moi! pour toi. Attends, voilà si je vais l'avoir. Je le fais me dogfight. Non mais en fait, le problème c'est que ça. Mon moteur ne tiendra pas. Enfin, mon avion veut pas tenir. Allez, tourne! Bon bah je peux prendre le Ace alors ou pas? Attends, c'est bon, je suis dessus. Non, parce que là je peux prendre le ace. Hein. C'est-à-dire? Bah 5 kills en une partie. Non Oh mais je te le non. laisse. Non, vas-y, vas-y, si tu veux. Hein. Non Si tu peux avoir le prends le ace, ça me fait paye. plaisir. Oh, mais genre, t'as vu ce que j'étais en train de lui mettre? Non. Genre, je suis en train de l'allumer, genre, c'est Si trop jamais t'as bien besoin comment t'as d'aide, allumé. je le prends. Hein. Non, mais vas-y, si tu veux, Pierre, si tu le veux, vas-y. Bah Non attends, mais là, je je suis m'en. Non obligé. mais ça me fait plaisir que tu le Non, il va me kill. tuer, il va me tuer. Il est en train de m'allumer là en fait. Pff. Ouais, bon, bah voilà. Comment je viens de me faire allumer en fait. T'as dégoûté ça. Genre, par contre, je comprends pas que mon avion ne tienne pas le choc face à ça. Toi, tu tournes mieux que lui, limite, et moi, ça tient pas du Ah tout au mais niveau des décollages. l'XP50 est relativement OP quand même. T'as plus de mine de canon? Non. Bon, de toute façon, même sans canon, t'as pas besoin. Je crois qu'il a pris cher. Et de 5! Wouh, poup, poup, poup! Dis-moi que j'ai au moins eu l'assist, Hype, attends. hype! Ah J'ai même non, pas t'as eu même pas eu l'assist, gros. l'assist. Putain, à Hein. vouloir être trop gentil, du coup je t'ai. Du coup t'es mort. À vouloir être gentil, à te laisser le kill. Ouais, mais le mec, ça m'a. Comment il m'a eu, c'est bizarre. Hein. Donc quand je vous dis que l'XP50 est cheaté, Ouais. il est trop bien cet avion. Allez, adieu. Non. Eh bah ben non. Pour moi, la vidéo elle est déjà finie, tu sais, enfin, tu sais, c'est déjà fini là, la cinématique de fin, tu sais, tout ce truc là. Moi, il m'envoie direct, t'as vu, il s'en fout. Boum. Qui C'est s'est ça. fait 98 000? C'est moi. C'est Derrick. C'est moi, c'est Eric. Donc pour voir un peu ses statistiques, en histo, 680 km/h de vitesse max, tourne en 19,7, grimpe à 25 mètres seconde, poum, poum. Et puis au décollage, il a une accélération assez incroyable. Vous passez de 0 à 100 en même pas 3 secondes. Du coup, vous appuyez sur enfin, c'est Shift pour moi pour accélérer, ça fait vous partez d'un coup, c'est assez cool. Bref. On va dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à nous de vous abonner sur nos deux chaînes et à nous suivre sur Twitter, bien évidemment. Et À puis suivre sur Facebook aussi, ça peut sur être Facebook intéressant. aussi pour Ouais. si vous voulez balancer des screenshots à Monsieur Zeta135. Et écoutez, bah à plus pour une nouvelle vidéo.
Allez, ciao tout le On vous monde. dit ciao ciao. C'était... Non, tu veux pas finir la phrase? Non? Bon. Ah mince. Bah si, j'ai dit nous. C'était Zeta. Et Nexos. Voilà. Allez, ciao!